Voilà, on se reprend pour la troisième partie de notre vidéo. Cette partie, comme je vous ai déjà dit à la vidéo précédente, je vais vous montrer comment faire deux ou trois demandes en une seule demande. Voilà, pour le faire, je vous ai déjà montré toutes les autres étapes. C'est la même chose. Il suffit seulement cette dernière partie. Pour faire une nouvelle demande encore, il suffit de cliquer ici, ajouter d'une nouvelle demande. Comme vous voyez, notre demande n'a pas encore été validée. Toujours, il attend à être validé. Maintenant, comme j'ai d'autres demandes, par exemple, je dois aller en vacances avec ma petite famille et j'ai besoin de faire la demande pour nous. Il suffit seulement dans la même inscription, faire les trois demandes ou bien deux demandes, ça dépendra le nombre de personnes qui va voyager avec vous. Pour le faire, j'ai besoin seulement de cliquer ici, ajout d'une nouvelle demande. Je clique. Voilà. Comme vous voyez, je sélectionne la même chose. Voilà. Comme vous voyez, j'ai deux demandes. J'ai des demandes, mais pour elle, je n'ai pas terminé. Je fais la même chose. Je saisis les informations sur son document de voyage, le passeport. Voilà. La date de délivrance, date d'expiration, délivré en Guinée, numéro de passeport, profession. Voilà. Si elle a une ancienne demande d'autorisation, comme je vous ai déjà expliqué, vous cliquez sur ça, vous ajoutez. Maintenant, on a deux demandes en cours et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut valider les deux demandes. Pour le faire, vous cliquez sur valider. Voilà la confirmation de notre demande et vous cliquez ici sur je certifie et je certifie et vous confirmez la demande. Ça y est, la demande est faite. Et on se reprend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner et surtout liker et commenter. Bye bye.